Hello, bonjour, gens de l'Ethernet, bienvenue sur le Cosmic ML Stream, on est de retour sur Death's Door. On enchaîne après la session de ce matin. Voilà, petite pause qui s'est révélée plus longue que prévu parce que j'ai pris le temps de faire un petit montage rigolo de toute cette session catastrophique dont je vous avais parlé, que vous pouvez maintenant retrouver sur YouTube en intro de justement la session 9. Là on en a la session 10 parce que je ne compterai pas celle justement que j'ai réduit, parce que après avoir fait un montage de toutes mes morts quand même, il restait 3 minutes de montage. Voilà, donc du coup vous aurez quand même voilà un petit aperçu de ma douleur si ça vous intéresse, et moi j'aurai ça pour la postérité. Mais c'est pas ça qui est important. Là, ce qui est important, c'est qu'on est arrivé au sommet de la montagne, et qu'au sommet de la montagne il y a le camp des corbeaux libres, et que ces corbeaux libres, je voulais rencontrer et leur parler, et que y avait une porte avec une clé, et je savais pas où était la clé. Et comme j'avais annoncé lors du stream précédent, ça me faisait chier de tourner pendant 3 heures, et je voulais aller jeter un coup d'œil sur internet pour voir où était la clé. Donc maintenant, je sais où elle est, et je ressens de la honte. Et vous allez bientôt savoir pourquoi. Parce que maintenant, silence. Start ! 72, on avance tranquillement. Oui, je suis pas très fier, hein. Vous allez voir par vous-même pourquoi je suis pas très fier. Alors, déjà parce que je me trompe de bouton. Alors, attention, ça va être du gros cerveau, hein. Ça va être du très très gros cerveau. Oh là là, j'ai tellement hâte de trouver... Oh non, il y a une porte avec une clé. Et si je suivais les cailloux qui sont au sol pour passer par là? Oui, alors toi, je me doutais que j'allais te trouver là. Vaga, bienvenue au camp des corbeaux libres, mon vieil ami. Nous savions qu'au bout d'un moment, tu arriverais ici. Même si tu avais besoin qu'on te guide un petit peu le long du chemin. Ho 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 ho. Nous sommes un groupe d'individus de libre pensée qui rejetons les idées du Seigneur des Portes. Nous ne voulons pas d'une immortalité contre nature, même si ça doit nous coûter nos vies. À quoi ça sert de vivre pour toujours si c'est pour être un esclave? Non. Nous choisissons de vivre libre et de mourir libre. Donc vas-y, grimpe encore plus haut. Bats la bête au sommet de la montagne et réclame son âme. Et sois sûr que tu es bien préparé avant de partir plus loin. Et rappelle-toi que tu es le bienvenu ici quand tu veux. Alors, on va parler à tout le monde. Non, tu n'es pas... Si, on peut te parler, toi. Bienvenue... Oh ! Corbeau de la légende, corbeau de la prophétie. Nous vivons une vie simple ici. Nous vivons des produits de la terre et nous creusons. Et nous utilisons même les mues, la fourrure du monstre en haut de la montagne, de la bête en haut de la montagne, pour fourrer nos lits, pour faire des paillasses. Alors, si on regarde juste le visuel du jeu, et le visuel du jeu, vous savez, c'est celui qui assure mes thumbnails, là, mes petites cartes sur les vidéos YouTube, on sait déjà à quoi elle ressemble, la bête en haut de la montagne, c'est clairement un Yeti. Vu que tous les personnages, les PNJ importants du jeu sont sur le visuel. Alors, Raven, c'est un honneur de te rencontrer, corbeau de la légende. C'est ça, foretold, c'est ce qui avait été prédit. D'où? Quelle prédiction a dit que j'allais arriver? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que tu as... Ah, c'est vous! Est-ce que tu as trouvé nos temples le long de ton voyage? Il semble qu'il en reste deux que tu n'as pas encore trouvé. Probablement pour avoir mon dernier point de vie. Je suis sûr qu'elles vont t'aider dans ton voyage et dans ton combat contre la bête en haut de la montagne. Ok, donc c'est vous qui avez placé les temples. Et toi, tu dis quoi? Bienvenue, corbeau de la légende. Voici la porte du savoir. Ses yeux voient toutes choses, son cœur connaît toutes choses et son âme existe en toutes choses. Il murmure à nos oreilles quand nous avons besoin d'être guidés. Voilà, il a prédit ton arrivée et ton destin.
Alors, les projectiles passent au travers. Mais moi, non. Comment je fais pour entrer là-dedans? On dirait que c'est un truc pour pouvoir faire le 100% ensuite. Et cette clé est sur un de ces petits, de ces petites gravures dans le sol, ces petits piédestals dont je ne savais pas ce que c'était jusqu'à présent. Et toi, tu racontes quoi? Nous avons tous abandonné nos missions, ce qui veut dire que maintenant, le temps passe pour nous, notre vie s'amenuise, ils vieillissent. Néanmoins, ça nous rend, nous sommes plus heureux comme ça. C'est ainsi que les choses doivent être. Sans mort, il ne peut pas y avoir de nouvelle vie qui naît et qui grandit. Exact. On avait dit ça, que le fait de Keblo, la récolte des âmes, c'était le roi des crapauds qui nous avait dit ça, que depuis que les âmes n'étaient plus récoltées, eh ben, il n'y avait plus de nouvelle vie qui apparaissait. Comment je fais pour aller là-dedans? Dis 1. Je suis sûr que quand le temps viendra, tu sentiras sa sagesse qui te guidera vers le bon chemin. Mais là, pour l'instant, je voudrais y aller. Alors, je pense que cette clé ne va pas m'ouvrir. Ni, 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 non. Ok. Ça sent le endgame, ça. Est-ce que tu me dis encore un truc, toi? Fais sûr. Voilà. Non, ça, tu me l'as déjà dit. Et les voilà. Les poils du gros Yeti, là. Bon, bah, c'est parti pour un boss fight, hein. Dit voilà, repose-toi, t'es ici chez toi, prépare-toi pour le combat qui arrive. Ok, il reste encore deux temples que tu n'as pas trouvé. Est-ce que c'est vous qui avez laissé la grosse épée du coup? Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre de planqué par la perspective. Peut-être passer derrière les petites cabanes. Non, j'ai pas l'impression. Ok, go! La bébête en haut de la montagne. Canyon gelé, faites attention. C'est l'endroit dont m'a parlé Jefferson le poulpe. Je jette un coup d'œil par là pour voir s'il y a des trucs. Oh, le barde! Enfin, c'est Barbe, ça peut être Barbara, c'est peut-être la bardesse. Pouh, putain, c'était chaud de monter jusqu'ici, la pente était raide. Alors, c'est My Pipes, on sait pas si. Oui, c'est mes poumons. Mes poumons sont encore en train de siffler. Tu dois être super content, n'est-ce pas? Tu veux dire, ouais, une société secrète de corbeaux ici en haut de la montagne? Qui l'eût cru? Et en plus, ils ont tellement de super grandes, de super histoires par rapport à leur vie ici, en particulier concernant la bébête en haut de la montagne. Oh là là, je suis tellement inspiré par notre aventure. Je pense que ma prochaine chanson sera probablement la meilleure que j'ai jamais écrite. Et j'en ai écrit plus que 5. Attention! Bzartek. Là, c'est le sommet de la montagne. Et en passant par les Old Watchtowers. Et donc, les Old Watchtowers, c'est eux qui ont fait tous les panneaux. Excellent. Quand ils disaient t'avais besoin d'être guidé, c'est eux qui ont fait tous les putains de panneaux pour me qui m'ont amené jusqu'ici. Allons d'abord voir le canyon. Non, je peux pas passer par là. Faut que je repasse par l'échelle. Alors, je m'excuse par avance de mes futures quintes de toux, hein, j'ai toujours la putain de bronchite et il y en a une qui a pas qui arrive maintenant. Désolé, le dernier, j'avais remis le son. Toutes mes confuses. Alors, canyon gelé. Voilà. J'avais pas encore eu du sol gelé à la Mario. Hop. Wouhou! C'est un trial, ça, clairement. Est-ce que. C'est trop facile. Encore
quoi ça sert d'aller en face? Pas grand chose. Pour éviter de mourir? C'est quoi ça? Alors c'est cool, c'est pas un challenge de plateforme. Mais c'est un challenge quand même, c'est un challenge de maniabilité. Ah, c'est bon. Ok, évidemment le timing est un peu chaud. Faut que je trouve le meilleur endroit pour pouvoir les déclencher les deux. Pardon, il faut se dépêcher. Okay. Ah, j'y étais. Je suis dégoûté. Si je me tape des quintes de tout sans arrêt, ça va être un peu compliqué. Non, non, je peux pas me permettre de louper un tir. Non ! C'est triste. Je vais bientôt mourir et j'ai pas de... J'ai pas de quoi reprendre de la vie. Hop. Hii. Non, j'ai de quoi reprendre des munitions, ce qui me fait une belle jambe. Waouh. C'est chaud ça. On est d'accord que je peux pas l'avoir d'ici. Si. Ok. Désolé. Au moins ça te prie. Ok. Le canyonneux de les épreuves. Ah! Putain, faut vraiment pas attendre en fait. Faut avancer en continu, compter sur la première plateforme. Hop, voilà. Ok, 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 ok. Non! Aïe! 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 Putain! Ok. Je sais qu'on peut l'avoir comme ça parce que j'ai déjà fait. Et en plus, faut les faire dans l'ordre.
Wouh! C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Excusez-moi, pose tout. Ça va être compliqué de streamer comme ça. Alors, je sais pas si le café a des propriétés antitussives, mais on va tester. Okay, déjà, j'observe le bordel. Ok. Waouh! C'est fait pour que tu paniques en plus. C'est normal qu'il n'y ait pas de bonus de vie parce que le but du jeu c'est que tu te retrouves niqué et que tu doives tout refaire. C'est l'avant-dernier, ça. C'est ça. Il me manque un fragment pour pouvoir avoir ma vitalité au max. Eh, mais c'était pas mal, ça. Dis donc. Je m'en suis pas si mal sorti. Donc, voilà. Ok, je suis relativement satisfaction. C'est tellement un chouette petit détail, le fait que ce soit eux qui aient construit les panneaux indicateurs. Après, moi, je m'inquiète un peu parce que je viens d'ouvrir une porte qui mène à chez eux, quoi. Ils étaient plutôt protégés du monde extérieur jusque-là, vu qu'il fallait taper tout le château. Bon, j'y vais pour faire le plein. Non, j'ai pas de quoi faire un level up. Fallait se taper tout le château pour arriver jusqu'à eux, monter tout en haut de la montagne, donc ils étaient relativement peinards. Mais maintenant, n'importe qui peut aller les débusquer, quoi. J'espère que ça va pas leur jouer des tours, le fait que j'ai ouvert un raccourci qui mène jusqu'à eux. Allez, on va voir le Yeti. Alors, combien de fois il me tue? Ah oui, non mais il n'y a pas forcément tout de suite le Yeti. Il y a The Old Watchtower. Et ça, est-ce que ce serait pas justement la zone d'avant-boss où je vais me taper un milliard de combats d'abord? En tout cas, c'est classe. Encore une porte, on active. Ok. Ça a l'air d'être une zone de fight, ça. Ça a clairement l'air d'être une zone de fight. Voilà, on s'en doutait. Ok, c'est parti. Une graine, il est prêt. Ok.
Et le jeu est fait pour que lors de cette période, tu exploites le grappin. Par contre, oui, c'est un peu dangereux de faire ça. Et la musique devient épique. Ça fait plaisir. Oh, un gros machin. Bam. Ça t'apprendra à vouloir me tester. Oh, toi, tu vas être un problème, oui. Est-ce que tu attaques aussi les ennemis, laser? Aïe, babam. J'ai l'impression que le laser... Si, le laser attaque aussi les ennemis. Bien. C'est bon à savoir. Cesse. Oh, enfin. Allez, on se concentre un peu. C'est le genre de zone qui m'a posé aucun problème dans tous les passages précédents du jeu. Y a rien là qui permet de faire un... bien de pas me ridiculiser sur ce truc, sur celui-là. Et un peu de stratégie. C'est bien. Ok, on continue. On se concentre. Et oui, voir Jean-Michel. Lui, il est pas très vraiment. C'est pas un vrai problème, lui. Aïe. C'est pas un vrai problème, sauf si je fais de la merde. Alors là, j'étais descendu. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Une graine et une porte fermée que je devrais ouvrir après avoir tué tout le monde de l'autre côté, de toute évidence. Alors, essayons d'être un minimum stratège cette fois-ci. Comme par exemple, ne me foutant pas sur le chemin du laser de la mort. Ah, je déteste ces connards. Je déteste ces monstres. Est-ce que je peux avancer, trouver une autre zone? Cherchons.
Ok. Ok. Projectile. D'accord. De laser de mes deux. Alors, attends. Ouf, c'est le dernier. Le laser s'est arrêté. Cool. Ok. Survie, survie. Désolé, je reviens. J'ai un peu de survivance à assurer. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Allez, on va tuer des gens. Tuer des gens, ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut, nous, les corbeaux. Ok, j'entends du sponk. Et l'écran tremble. Qui es-tu? Ah, t'es Jean-Michel Boomerang. Tu peux pas descendre là où je suis? Non, on dirait que t'es limité par un mur invisible. Ok, soit. Bah écoute, je vais te rejoindre. Que nous puissions vivre des moments d'exception, toi et moi. Quoi par là? Des projectiles. Je pense que c'est juste une extension de la zone de combat. Pouvoir se balader. Ou alors c'est un raccourci. Non. Je veux dire, je cracherai pas sur un petit raccourci là. Et suffit de demander. Voilà, on ira beaucoup plus vite maintenant. Ok. J'ai tellement failli tomber comme une merde. Oh, le barde! La barde! Barbe la barde! Ça va, tranquille le combat pour toi? Oh là là, le temps est vraiment pourri ici. Le vent ne fait que siffler à travers mon... ma pipes. Mon instrument. Mais bon, c'est pas un petit peu de mauvais temps qui va m'arrêter. Surtout que maintenant que la bête est très proche. Je me demande à quoi elle ressemble. D'après ce qu'ont dit les corbeaux, on dirait vraiment un monstre. Poilu et sauvage. Oh là là, j'ai tellement hâte de te voir le combattre. Visiblement, tout le monde a hâte que je me tape le monstre. Ils sont pas sur le même plan que moi, on est d'accord. Non. Donc je vais prendre cet ascenseur. Ah, et attends. Pas la peine de prendre la plante tout de suite, si je peux revenir après. J'aime beaucoup comme le jeu t'encourage sans arrêt à utiliser le grappin pour te déplacer et pour tabler les ennemis.
tu as eu un petit moment de panique, désolé. Ok, ok. Oui, je m'y attendais. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien, oui. On avance petit à petit. J'aurais dû me recharger à la plante qu'il y avait avant. Après, si je me réfère à la taille des zones précédentes, je pense que cette zone risque d'être assez longue. Allez, ascenseur. Par contre, il n'y a pas beaucoup de moyens de les pousser dans le vide. Hein. Donc je ne veux pas que tu abuses de ça. Allez, vas-y, voilà. Ça, tu peux le faire. S'ils se projettent par eux-mêmes, ça marche. J'ai tellement cru que j'allais plonger dans le vide. Hop. Donc, on peut pas les pousser dans le vide, littéralement. On peut profiter de leur bêtise. Ils peuvent profiter de ma bêtise aussi. Seulement... 2 points de vie avant le prochain affrontement, c'est mal barré. Seulement 1 point de vie avant le prochain affrontement, c'est mal barré. Y'a pas d'auto-aim. Allez. Ok. Ça c'est fait. Patience et longueur de temps, bla 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 bla. J'ai vraiment cru qu'il était déjà mort. Les lasers se sont arrêtés. Oui. Ah putain. J'y croyais pas, mais c'est passé. On ne tombe pas bêtement. On ne perd pas bêtement un point de vie à cause de ça. Doucement. Doucement. Tout va bien. On reprend les points de vie. Rien à choper. Ok. Ok, c'est tout. Je m'attendais à pire, mais soit. Ah, j'ai raté.
Alors ça c'est vraiment pas gentil. Je l'avais eu. Tu m'as niqué à cause de tes collisions à la con. Raccourci. Nickel. Il y avait un truc en haut. Non, alors est-ce que c'est là la suite? Là, c'est la vie. Merci la vie. Non. Il n'y a pas autant de trucs secrets que ce qu'on pourrait croire. Il y en a. Concentration. Pourquoi tu mènes toi? C'est juste pour revenir en arrière? Ça paraît étrange. Hein? C'est ça, c'est juste le backtrack. Être utile parce qu'en passant par là, je pense que je repasse à côté d'une plante. Exactement. Voilà, je suis full life donc je m'en fous, mais c'est bon à savoir. J'allais dire, il me faudrait des cristaux pour refaire le plein. Et il suffit de demander. Voilà, c'est bon. J'ai des munitions. Wouh! J'ai hâte de trouver le dernier temple. Je pense que ça me donnera un gros sentiment d'accomplissement. Et également, je serai full life et full magie, ce qui peut ne pas faire de mal. Alors, est-ce qu'on n'arriverait pas dans le domaine? On arrive au domaine du... de la patinoire, j'allais dire au domaine du monstre. Non, non. Pourquoi est-ce que toi tu dérapes pas, connard? Wouhouhou, ok, c'est dangereux. C'est très très dangereux de se lancer avec le grappin, on saura. Évidemment, l'inertie est gérée de manière à peu près réaliste, et si tu te projettes comme un porc, ya, et bah tu pars à Tatooine. Ok, soit, c'est noté. Ces jeux qui sont réalistes au moment où on voudrait qu'ils le soient pas, quoi. Ah, sa mère! Hi, c'est bon. Il y a des murs autour, c'est bon. On peut se lancer à pleine vitesse, c'est pas très grave. Juste que je fasse gaffe quand il n'y en a pas. Par exemple, là-bas, il n'y en a pas. C'est vraiment très plaisant à faire. Hop, ouf. Un peu de sol qui glisse pas, ça fait toujours plaisir. Ok.
Ok. La suite plus le raccourci d'une pierre de coup. Next. Viendez tous. Genre ici, dans cette méga zone. Qui ressemble très fortement à une méga arène. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Ha! Aïe. C'est moins facile quand il y a des projectiles partout. Ah! Ah! On va faire une de ces saloperies. Toi. Yeah! Quelle bonne idée quoi! Quelle super bonne idée de gameplay! De faire cette baston avec de la verticalité, des passages, des ennemis qui dérapent. Le jeu sait que tu vas utiliser le grappin en taquet, c'était super plaisant à faire. Maintenant je veux de la vie s'il vous plaît. Si c'était pas trop demandé. Et c'était pas trop demandé. Ah, il y a un petit passage là-haut, je te vois. Dis-moi que t'es un temple, fais-moi plaisir. Non, t'as le chemin vers le haut de la montagne. T'as toujours ces trucs de lune là. Ça veut dire quelque chose, ça, on est d'accord. C'est pour le endgame. Je vais forcément avoir quelque chose à faire avec ça. C'est pas pour tout de suite. Mais il va y avoir un truc. Je me demande quelle est la compétence que le jeu va me donner à la fin. Probablement après le dernier boss, quand je pourrai de nouveau explorer l'overworld. Parce que bon, je veux dire, c'est un... Excusez-moi, hop. C'est un Metroidvania, c'est censé se passer comme ça. Une fois que t'as fini, on te lâche dans le monde et puis on te laisse faire ton 100% tranquille. Oh. Oh. Alors qu'est-ce que tu racontes, barblabarde? C'est ça. Oui, on y est. Attends. C'est la bébête. Oh là là. Mon cœur tambourine. Est-ce que tu veux te battre? Je vais rester très loin et prendre des notes pour ma chanson. Bonne nuit. Je me demande s'il va y avoir une arnaque avec ce combat de boss. On me l'a tellement hypé. Est-ce que ça va être genre... Il faut y avoir un truc qui fait que j'ai pas vraiment besoin de le combattre? Wesh. Bonjour.
T'es gentil? Non. Betty. Bonjour Betty. Ok. Betty met des gros coups, Betty saute. Betty roule. Donc faut pas rester trop près de Betty quand il fait sa putain d'attaque. Elle prend sa posture à quatre pattes avant de sauter. Hop. Elle lance des boules de neige, parfait. Ok. Bon, on s'attendait pas à battre Betty du premier coup. Hein. Faut moi attendre qu'elle se mette à rouler, sinon ça marche pas. En gros, faut attendre qu'elle ait fini sa séquence de roll-roll, sinon c'est trop chiant. Une. Deux. Trois. Ça suffit. Ok. Roll 1, roll 2, roll 3. Roll 1, 2, 3. Ah, nouvelle attaque. Oh oh. Il y a des boules de neige qui tombent du ciel maintenant. Moi je peux viser. Oulala, oulala, oulala. Je peux viser le moment où elle atterrit pour faire mon attaque. Oui. Bon, ce boss est super mignon. Je l'aime bien. Maintenant, il faudrait que j'arrive à le tuer. Rouge. Ah.
J'espère que je peux lui mettre plus qu'un seul latte à la fois, quoi. Faut avoir les yeux un peu trop partout. Parce que les chutes de neige ne s'arrêtent jamais. Putain, je m'y attendais pas. Ah, je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Et oui, les trois âmes géantes. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer, pour faire le deuil de la mort de Betty. Pour certains, elle était adorée comme un dieu. Pour d'autres, elle était crainte comme une bête sauvage, impossible à apprivoiser. Oh. Et pour peu d'entre nous, elle était aimée comme un être à la beauté incommensurable. Après beaucoup de vies passées en haut de la montagne, à fournir aux personnes du coin... de la fourrure et des morts imprévues. Elle peut maintenant reposer. Inclinez vos têtes dans le souvenir et donnez-lui vos derniers respects. Son temps parmi nous touche à sa fin. Quelle incroyable aventure cela a été, pleine de retournements. Donc Betty et la bête. Betty and the Beast. Seulement maintenant je comprends Betty and the Beast pour Beauty and the Beast. Oh mon dieu, la belle et la bête. Donc Betty et la bête étaient la même personne. Incroyable. Ça veut dire effectivement que le mec bourré au Stranded Sailor, est-ce qu'il était amoureux de la bête? Wow. Je me sens plutôt mal pour eux deux maintenant. C'est quoi d'après toi qui est pire? Avoir le cœur brisé ou être mort. Les deux sont plutôt tragiques. Mais en tout cas, c'est du super matériel pour écrire une chanson. Hein. Ouh là là, je vais commencer à écrire tout de suite. Quand ce sera prêt, viens au Stranded Sailor quand t'auras le temps et je te la jouerai, cette chanson. La
La colère d'une autre âme démonique a été apaisée, moissonneur. Qu'elle trouve la paix dans la mort. Il n'y a plus qu'à aller à la porte de la mort, hein. Bon, si je repasse par là, il se passe rien de particulier. Je vais prendre une porte et voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir un événement scénaristique? Puis après, on va aller voir le vieux corbeau. Oh putain, attends, non, faut que j'aille au Splendid, c'est alors. Tout de suite. Faut que j'aille parler au... Faut que j'aille parler au corbeau bourré, là. C'est un marin ou c'est un corbeau? Alors, tous les PNJ... Et oui, le barde, c'est un corbeau. Eh mec, merci, merci encore pour l'aventure. J'avais jamais vécu quoi que ce soit comme ça. Et je pense que j'ai assez de matériel pour écrire ce qui pourrait être mon chef-d'œuvre. Tu veux l'écouter? Mais évidemment que je vais écouter ta chanson, barbe. Et donc le corbeau bourré aimait une meuf qui s'appelait Betty, mais il s'avère que c'était un Yeti pollu. Le héros et la bête se sont battus jusqu'à ce qu'ils transpirent. Mais Betty le Yeti a été découpé en spaghetti. Et maintenant nous ne verrons jamais le mariage et ses confettis. Et j'ai un succès. Parce que j'ai écouté la chanson de Barbe. Bon alors toi, est-ce que tu as sauvé ma Betty? Non. Enfin, oui, enfin, comment te dire? Allez, on parle de Jefferson. C'est un peu doux amer comme situation, comme souvent dans ce jeu, quoi. Un secret peut... Alors ça veut dire que je l'ai pas encore trouvé, sinon on me le dirait pas. Un secret peut être trouvé à l'endroit exact où tu es entré dans ces terres oubliées. Est-ce que tu y es retourné là-bas? Ok. Maintenant que tu as de nouvelles compétences. Ok. Alors avant d'aller voir Jean-Michel Corbeau. Et la porte est là. Donc avant d'aller voir Jean-Michel Vieux Corbeau. Et de faire la suite du jeu probablement avec la porte de la mort. Je vais reprendre le tout début. 1005. Je peux mettre en dégâts max, non? Ou c'est 1008? Rien de nouveau. Rien de nouveau. Non, c'est 1005. Allez, et un succès parce que j'ai mis un truc au taquet. Oui. Alors, là c'est la région des ruines. Et la toute première porte que j'ai franchie. Avec le premier boss. C'est ça, The Grove of Spirits. Je sais pas si c'est là. Ou si c'est juste après. Parce que là, c'est pas les Forgotten Lands. Les Forbidden Lands. Là, j'avais le droit d'y aller. Mais l'endroit par lequel je suis arrivé, c'est la porte. C'est ça. Alors oui, je vois, mais je peux pas y aller pour l'instant. Thank you.
À quoi ça sert ici? Ceci est très suspect. Je suis suspicion. Je suis suspectitude. J'ai vu des trucs à grappin quand même, hein. Je les ai vus. Où sont-ils? Il y a toujours le Mega Port of Fire aussi. Voilà, normalement, c'est ça, j'allais dire. Je vais quand même one-shotter une partie des... Parce qu'il y a ici, mais ici j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fini cette zone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Meurs. Et temple en bas. Là, c'est la déchirure par laquelle je suis arrivé, donc il faut que j'aille en haut à gauche par rapport à cette déchirure. Par là. J'ai jamais trouvé la structure jumelle de celle-là. Revenons sur nos pas. Je m'éloigne de mon point d'arrivée là. J'ai tendance à penser que si Jefferson m'indique un truc, ça veut dire que je peux y accéder. Bon, bien dit, il y a un secret à l'endroit où tu es arrivé. Et là, il y a un chemin. Il y a clairement un chemin. Mais... où est le point de départ? Là.
Là. Deux fois. Encore un coup. Trois fois. Bah ok, on n'est plus à ça près. Ah, je peux pas revenir. Ok. Allez-y, file-moi des ennemis maintenant que j'ai plus que 2 de vie. Oh, le dernier temple. Ok, j'ai rien dit. Je vais encore avoir un succès. Eh oui. 50G. 5% des joueurs ont trouvé tous les temples. Je me sens tellement spécial. Ça va me mettre à full life en plus. Bref. Eh ouais, ma gueule. C'est qui a toute la vie? C'est ton copain le corbeau gentil. Et ça va me faire arriver devant la méga porte. C'est ça. Je peux toujours pas ouvrir. Mais bien, 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 bien. Sentiment d'accomplissement, je suis. Il nous reste à aller voir. John Corbeau. Qu'est-ce que vous servez maintenant que je vois leur casque et que je connais le délire? J'ai envie de savoir. Vous avez mis un masque pour annoncer quel est le leader que vous suivez. Du coup, c'est lequel? Pourquoi vous avez l'air de Big Daddy au rabais dans Bioshock? Cimetière. J'ai toujours pas trouvé ton pote sous la lune. Monsieur le Fossoyeur. J'ai trouvé plein de plaques avec de la lune dessus qui me donnent envie de revenir quand j'aurai acquis le pouvoir qui me permet de les activer. Mais d'abord, it's time to scénario. Tu as réussi. Tu es un moissonneur bien plus fort que moi. Je n'aurais jamais réussi à battre ces âmes géantes. Seul. Il est temps. Après tout ce temps. Enfonçons cette porte, gamin. Et finissons notre mission. Alors, est-ce qu'il va nous trahir? Est-ce que le maître des portes va arriver en mode te? Une. Deux. Spray! Allez, 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 allez! Oui. It is the réussite. Et maintenant, allons de l'autre côté. Ah ouais, un corbeau gris, il fait la gueule un peu. Hein. Je pense que ce vieux crouton a réussi quand même à me ninjater la gueule et à venir derrière moi et à me latter sans que je m'en rende compte. Nous y sommes. C'est l'au-delà. Où aucune vie ne peut être vue. Aucune vie n'existe. Salut. Oh. La mort. Est-ce que tu es... La mort? Je pensais que les histoires du moissonneur original n'étaient que les délires des corbeaux libres. Ouais, bah écoute, j'imagine que c'est moi. Bon, bah si tu savais pas que j'étais réel, ça veut dire que t'es pas venu pour me secourir, hein? Te secourir. Quoi? Non, je suis désolé, on est là pour autre chose. Mais peut-être tu pourrais nous aider? Wow, comment t'es impoli, mal poli. Ouais bon, allez, après tout, hein, qu'est-ce que c'est que quelques minutes de plus après plusieurs siècles? Alors pourquoi vous êtes là? Et puis d'ailleurs, comment vous êtes rentré? Quand vous êtes arrivé? Bah, nous recherchons des âmes qui sont passées à travers la porte de la mort, à travers votre porte. Nous sommes des moissonneurs, en mission.
Nous avons besoin de ces âmes pour finir nos tâches et retrouver notre statut auprès de la commission, sinon nous allons mourir. Oh, assez gênant. Ah bah si tu cherches une âme ici, bah t'as pas de bol. Parce que toutes les âmes dénuées de corps, toutes les âmes incorporelles qui passent à travers la porte sont absorbées dans les terres, vois-tu, c'est moche. Oui, parce que l'énergie des âmes, elle a besoin d'être recyclée pour créer de la nouvelle vie. C'est pour ça que mon boulot était tellement important. Bon, ça empêchait pas les vivants de me détester pour ça, hein, mais... Avant, bah, je me baladais, je récoltais les âmes moi-même, et puis je les récupérais, et puis je les amenais derrière, de l'autre côté du voile. Mais c'était tellement déprimant. Bon, pas pour les âmes, hein, les âmes elles s'en foutent, mais pour les vivants, ceux qui restent... J'aurais bien voulu leur dire que mourir, en fait, bah, ça, c'est pas effrayant, quoi, c'est juste le cycle de la vie. Mais le fait est que... après tout ce temps, ce cycle, il a fini par vraiment beaucoup me fatiguer. Mais un jour, alors, un être étrange est venu me voir avec une proposition. Cet être pouvait créer des portails, des portes, vers n'importe quel endroit dans le monde. Et il m'a offert de déléguer. Il l'a pris comme presta en fait, déléguer la récolte des âmes vers un système automatique, un système automatique qui utiliserait une de leurs portes, une de ses portes. Désolé, je me plante hein, parce que faut que je me mette dans le crâne que c'est un veil singulier. C'est pas plusieurs personnes, c'est le seigneur des portes dont la mort parle. Et du coup, bah tant que cette porte serait ouverte, elle aspirerait les âmes des morts comme un phare sur la rive de l'éther. Et en échange de ça, il voulait que leur vie dure plus longtemps. Il voulait que sa vie dure plus longtemps, le Seigneur des Portes. Bon, en fait, ils ont demandé l'immortalité, mais bon, ça, c'est impossible. Voilà, parce que si les âmes traînent trop longtemps et après leur date de péremption, ben ensuite, vu qu'il n'y a rien pour les relier à leur mortalité, elles tournent mal, en fait. Elles deviennent des âmes, des formes démoniques. Car toute vie doit finir. Enfin, au bout d'un moment. Donc pendant que je me relaxais, il y a eu plusieurs générations de ces seigneurs des portes autoproclamés. Ils se sont succédés en profitant de leur vie artificiellement allongée. Et chacun avait fini par être d'accord à la fin de se soumettre aux limitations de la vie et d'aller d'eux-mêmes dans les terres. Jusqu'à ce que un décide de ne pas le faire. Ce qui nous amène à ton seigneur des portes actuel. Vers la fin de ce qui aurait dû être normalement son espérance de vie, votre seigneur a trahi notre deal qui durait depuis si longtemps. Ils ont dit qu'il y avait eu un genre d'incident, que la porte était défectueuse et qu'il fallait la refaire à zéro. Et pour que la porte soit reconstruite, il faudrait le toucher de la mort pour lier la porte à l'éther. Eh bah tiens, mais après que cette nouvelle porte a été créée et ouverte, le Seigneur m'a poussé à l'intérieur et l'a verrouillé derrière moi. Impossible de m'échapper. Impossible pour les âmes errantes de passer dans l'éther. Plus de morts. Plus de vivants qui meurent. J'adore son sac banane avec un zip, quoi. C'est le meilleur design de la mort jamais fait. Et depuis ce temps-là, j'ai été ici, seul. Mais l'âme qu'on m'avait assignée, elle doit être ici. C'est obligé qu'elle soit ici. Je l'ai pistée jusqu'à cette porte. Forcément, elle est rentrée ici d'une manière ou d'une autre. T'es sûr que tu l'as pas vue? Désolé les gars, désolé mec. Si une âme vient ici et qu'elle n'est pas attachée à un corps, eh ben elle disparaît dans les terres.
un jour ou l'autre, tout ce qui commence doit finir. Donc, il n'y a aucun espoir. Mais forcément, elle est encore là, quelque part. Non, 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 non. Non, j'ai gaspillé. J'ai gâché tellement de mes amis. Pardon. J'ai gâché tellement d'années à chercher cette âme. Des décennies, des siècles. Je refuse de mourir. Uh-oh. J'ai l'impression que tu es un petit peu au-delà de ta date de péremption, toi. Oh bordel. Ouh là là. Nouveau boss. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse se faire le corbeau gris. Et la mort qui se barre comme ça. En mode que dalle. Bon, il m'envoie des projectiles, mais je peux les renvoyer. Arrête de bouger. Ok, ça c'est cool. Où tu es, toi? Ouf! Bon, tant que je suis pas sur le passage. Alors, je vais te renvoyer tes trucs dans ta gueule, toi. Non. Non. Aïe! Je t'ai pas eu, toi. Ok, alors on voit pas l'endroit où il va atterrir quand il fait son attaque plongeante parce qu'on voit que l'ombre de là où il est. Et donc ça veut juste qu'il faut esquiver au dernier moment. Trop mobile pour que je puisse facilement lui renvoyer ces trucs là. Oulala, 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 faut se calmer, garçon. C'est quoi ça? Ah, ça ressemble les ces trucs là une fois que je les renvoie. Nouvelle attaque. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça m'aspire? Les avoir à coup de grappin. Bon. Eh bien, Betty n'était pas l'avant-dernier boss. Je peux lui mettre des bombes. C'est dur de m'avoir en ligne droite.
Putain, j'arrive pas à l'avoir avec ses propres projectiles. Si, je peux l'avoir avec ses propres projectiles. Parce que c'est chiant. Bon, allez, on se concentre. Pour l'instant, la tactique de, du grappin, c'est ce qui marchait le mieux. Ok, alors quand il envoie son... Pourquoi il y a une épée au sol ? Quand il envoie son œuf du mal, là, il est vulnérable. C'est quoi tous ces putains d'oiseaux autour de moi, là ? J'aime pas trop ça. Soudain, je suis teubé. Voilà, comme ça. On commence un combat normalement, on est peinard, on est bien, et puis bah voilà. Dans la gueule, ça me ferait plaisir. Tiens! Putain, j'ai réussi à le louper! Voilà, j'en étais sûr. Il était très très craquelé quand même. Je le savais. Bon. Grey Crow. Je suis désolé pour toi. Voilà, je peux pas dire depuis combien de temps j'avais pas ressenti une brise fraîche sur mon visage ou que j'avais pas vu bah quoi que ce soit en fait. Ah là là, on n'apprécie rien avant que ce soit. On n'apprécie jamais vraiment quelque chose avant que ça nous manque, hein.
J'avais vu, c'est quelque chose que j'avais beaucoup constaté, justement, ce fait de rien ne nous manque vraiment tant qu'on ne nous l'a pas enlevé. Ça, je l'avais beaucoup constaté dans mon métier, mais jusqu'à ce que ton seigneur des portes ne m'enferme, je pensais jamais que ça s'appliquera à moi. Je suis vraiment désolé pour ton grand ami à plumes là-bas, mais bon, c'est toujours difficile pour les vivants de laisser partir les morts. Et ça a été, j'imagine, encore plus difficile le fait que tu aies dû le récolter toi-même. Je peux plus ou moins comprendre ce sentiment. Même si c'était pas ton intention, tu m'as rendu un grand service ici, Corbeau. Mais c'est pas vraiment fini. Parce que même si la porte a été détruite, mon pouvoir est malheureusement encore enfermé dans ses restes. Pour forger la porte, j'avais utilisé un morceau de ma propre âme. Et il faut que je les récupère avant de pouvoir recommencer à faire mon taf. Ça veut dire que si on veut arrêter ce cycle, quelqu'un d'autre doit descendre, le seigneur des portes. T'as deviné qui? Allez, moi, de toute façon, c'est fini que je fasse des deals avec qui que ce soit. Retourne à ton bureau et récolte l'âme de ton boss, Corbeau. Et rappelle-toi, la mort est de ton côté. Eh ben, on va s'arrêter là. Mais j'ai toujours pas pu sonner la cloche. Ça là. Ah putain. Mais ça reste beaucoup trop inachevé tout ça. Toutes ces portes que j'ai pas pu ouvrir. Et tous ces trucs que j'ai pas encore pu faire. Ah mon Dieu! Bon, il me faut une porte quand même pour revenir au hub. J'aurais bien voulu passer au cimetière pour parler à Jean-Michel. Peut-être en haut à gauche. Et après, on va arrêter cette session. Ni? Là, je crois que c'est le chemin du Stranded Sailor. C'est ça. Par là, c'est le Stranded Sailor. Mais pour aller au cimetière, je sais jamais comment on va au putain de cimetière, quoi. Ah! Non, mais toi, je t'ai déjà battu, non? Non, je t'ai pas battu! Le chemin derrière toi n'est pas ouvert? Oui, mais attends, j'ai 2 points de vie, c'est mort. Je l'avais déjà battu, c'est ce qui menait au temple. Bon, au moins si je vais au Stranded Cellar, j'aurai une porte. Et Jefferson aura peut-être quelque chose de nouveau à me dire. Donc, on y va. On s'arrête là, hein. Je sais pas si j'ai à chaque fois besoin de retourner au hub. Je pense que c'est moi qui suis trop prudent. Probablement les autosaves se font à chaque fois, mais bon, je sais pas. J'ai mon petit rituel, on me laisse mon petit rituel, ok. Alors, il y a toujours Pothead, il y a toujours tous les copains qui sont venus au fur et à mesure de mon aventure me rejoindre ici. J'espère que ça n'a pas balancé une cinématique qui m'oblige à aller taper le seigneur des portes. Si! Bordel de merde! C'est un flashback? Bon, regardons cette cinématique. Camarade Corbeau! Nous sommes arrivés à un moment qui avait été prophétisé de longue date. Aujourd'hui, la porte de la mort a été ouverte. Et la mort elle-même a été libérée une fois de plus. A été libérée à nouveau au sein du monde. N'ayez aucune crainte. Ce n'est pas la fin des temps, c'est le début d'un nouveau futur brillant. Les forces de la vie et de la mort, depuis des milliers d'années, ont été jetées dans le chaos, ont été plongées dans le chaos de manière non naturelle. Et nous autres, corbeaux, nous avons joué un rôle là-dedans.
Nous devons réparer nos torts. Nous devons accepter notre destin. Nous devons rejeter ce qui nous mène dans un futur sans espoir. Il est temps que le règne du Seigneur des Portes s'arrête et que nous retournions à un cycle de vie naturel. Alors que notre monde est sur... Mais ça, on sait pas pourquoi, en fait, hein. Alors que notre monde est sur le bord de l'oubli, sur le bord de la destruction, des âmes, comme ces esprits de la forêt, arrivent toujours à émerger à travers les fissures. Bientôt, un nouvel âge commencera. Et le monde fleurira avec une nouvelle vie. Pour que ceci se produise, les heures finales de ce jour qui avait été prophétisé doivent se dérouler comme prévu. Et donc la prophétie c'était, le corbeau qui a libéré la mort devra mettre fin au règne du Seigneur des Portes. Et voilà la porte vers le Seigneur, le dernier boss. Et on va y aller la prochaine fois. Ok, c'est la hype. Bon, je suis très content d'arrêter cette session sur un cliffhanger. C'était pas prévu. Mais du coup, voilà, bim. La prochaine session ne sera pas forcément la dernière. Parce que j'ai bien envie de faire 100% sur ce jeu. Il y a toute cette histoire de chambre du savoir là en haut. Le problème c'est que je sais pas si c'est des trucs qu'on doit faire avant de battre le Seigneur des Portes ou après. Je me demande vraiment à quoi va ressembler le combat de boss contre le Seigneur des Portes. Parce que d'une manière générale, un ennemi qui peut créer des portails, ça peut donner lieu à des idées géniales en termes de combat de la part de développeurs s'ils sont imaginatifs. Et s'il y a bien un truc qu'on a vu, c'est que ces développeurs sont imaginatifs. Donc du coup, j'ai un a priori très très positif envers la fin de ce jeu. On verra, voilà, s'il me reste beaucoup de trucs à choper. J'ai vraiment envie de choper tout, au moins tous les Shinies, quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc à ce niveau-là. Donc, puis, la cloche. Il y a un problème. Comment est-ce que je sonne cette cloche? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà, je suis plein de mystères, je suis plein d'anticipations, je suis plein de sentiments positifs. Et bah, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Me suivre sur Twitch, blablabla, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous-même vous savez. Je vous fais des bisous, si vous êtes d'accord. Je vous souhaite une très bonne vie et je vous dis à la prochaine sur le Cosmic Camel Stream. Bye bye.